Elle est quand même pas allée se baigner. Une fois de plus, on écoute Mère Nature qui nous suggère de rester à quai aujourd'hui. On prend sa relax avec un petit déjeuner et une visite de la capitainerie. C'est beau de voir les fanillons des voyageurs passer. La prochaine fois, on aura ce qu'il faut pour immortaliser notre visite. À cet endroit, l'eau est presque aussi salée que l'océan. On profite de l'eau douce qui tombe pour nettoyer la slancha. Pour nettoyer la dorade, quelques tests s'imposent. Et c'est le Vim qui est le grand gagnant. On s'occupe. Naviguer, ce n'est pas seulement prendre le large. C'est aussi consigner nos aventures, faire du montage et écrire des cartes postales. La marina est située sur ce que les gens de Matane appellent le barachois. C'est un terme qui désigne une étendue d'eau saumâtre séparée de la mer par un banc de sable. La température se calme juste assez pour nous donner le courage d'aller visiter les environs. À commencer par une spécialité de Matane, les crevettes. L'échappe, il va m'en manquer. Un autre essai de crevettes. Ah ouais, c'est bon. Ok, j'y viens moi aussi. Une fois bien reboré, on remonte la rivière Matane, une rivière à saumon protégée qui nous permet de pêcher en plein centre-ville. Comme le barrage empêchait les saumons de remonter la rivière pour aller frayer, une passe migratoire a été installée pour permettre la préservation de l'espèce. Celle-ci passe à travers un centre d'interprétation qui nous offre la chance d'observer les saumons. C'est impressionnant qu'il monte ça. Je ne veux pas se mouiller les pieds. Il a l'air d'un enfant. Ah non, moi non plus, je ne veux pas mouiller les pieds. Alors, 7 premiers jours qui s'en vont à la poste.
surveiller vos boîtes aux lettres. Après les orages et une bonne sieste, c'est le beau temps qui revient. Oh! Il y a même Filigule qui est là! J'accepte que tu mettes ça sur YouTube, n'importe quoi. Là. Ok, c'est bon! Phew! Une chance! On s'est croisés! Je m'attends cette année, c'est vraiment cool! Ok, parce que là, moi, ma caméra est hors d'usage, tu sais, puis là, oui. C'est ça, là. Fait que, écoutez Curieux Marin pour savoir quand est-ce que Filigule a rencontré Curieux Marin. Puis là, demain matin, en tout cas, ma caméra, si je me lève, moi, je vais être réveillé, mais si jamais ça me tente vraiment, ben, allez filmer, voir si vous partez vraiment à 6 heures. On part à 6 heures? On part à 6 heures. Ça veut dire qu'entre 6 heures et 6 heures et 5, on devrait être prêt à partir. On est pas mal à l'heure. Et on finit la journée avec de la brume et du tonnerre. Tel que promis, le capitaine du Filigule est présent pour nous souhaiter bon voyage. Bon ben. Ouais, j'ai presque eu! L'ai eu! Allez, mais merci! On se revoit plus tard. Un moment donné, c'est sûr. La traversée d'aujourd'hui est d'environ 52 000 marins en ligne droite pour retraverser le fleuve, ce qui nous mènera à Havre-Colombier, qui deviendra notre nouvel endroit préféré. Le voyez-vous? Quand on part de Matane, on se fait saluer par les phoques. Je crois que c'est un phoque gris. Ou un phoque commun. C'est les deux phoques qu'on a ici. J'ai déjà sur deux minutes. En disant les deux, tu augmentes tes chances. Oui, de 50%. Non, je pense qu'il y en a un troisième aussi. Le phoque du Groenland, mais on n'est pas au Groenland. Vraiment pas.
y ressortir parce qu'il n'a pas plongé là. On dit un petit rorqual. Je capote. Je capote ma vie. Oh my god. L'avez-vous vu? Là, il a plongé. Là, il est parti. Oh. On a un petit compagnon de voyage. On a un petit oiseau sur notre Alba qui est venu se reposer quelques instants. Il est peut-être perdu. Il n'a pas l'air gros, en tout cas, il n'a pas l'air vieux. Il faudrait pas que tu rentres en dedans, cet oiseau, par exemple. T'es le bienvenu, là, tu peux faire toute la traversée avec toi, si tu veux. Et comme c'est une journée moteur, on maximise notre temps en peaufinant nos connaissances ou pas? La traversée n'est pas si large que ça à cause de la visibilité réduite, la brume, on voit rien à l'avant, on voit rien à l'arrière, rien sur le côté bâbord, sauf quand je regarde par là-bas, je vois ma femme. Et à tribord, on voit pas l'autre côté, mais on voit quelques voiliers, mais c'est quand même comme si on était seul au monde. Ben avec deux voiliers, évidemment. Ben, c'est en plein ça. C'est pas si seul que ça. Finalement. Ce qu'il faut faire attention dans une traversée comme ça, c'est qu'on pourrait perdre sa femme. Hey! Mais il faut surtout rester vigilant parce qu'on pourrait s'habituer à rien voir et dire on est bien. Donc il faut rester vigilant, garder un œil sur les instruments. C'est pas parce qu'on voit rien qu'il y a rien. C'est ça. Il faut garder un œil sur ses instruments, mais surtout garder une veille auditive et une veille visuelle. T'as pas dit une vieille auditive, là? Non, non, okay. Pas une vieille. Une veille. Okay, t'es pas si vieille que ça. Qui ça? Toi. Moi, je suis pas vieille. Hey, je suis bien équipée pareil, hein? Hey! Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know, really wanna know. Land ho! If I will ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. You can say I lost my mind, I will keep on holding my head high. Even if the sky is falling. Environ 10 000 devant nous, c'est l'Havre, Havre Colombier. Faire notre mouillage pour la nuit. À proximité de la côte nord, il faut rester à l'affût. Il y a plusieurs filets de pêcheurs. Jumping from cliffs so high, trusting our wings to fly.
Sometimes we're crashing down. Le Havre Colombier est du côté est du Cap Colombier. Il tire son nom de la rivière qui se jette dans le fleuve juste à l'ouest du Cap. Fait notre entrée au Havre Colombier. On a vraiment hâte de pouvoir débarquer sur la plage de Sable. Elle est prête? OK. On va avancer encore un petit peu. Et pour la première fois, on touche terre à bord de Quickie, tels des explorateurs du monde moderne. Karine, ben là, j'avais dit au capitaine que si on atteignait 20 degrés Celsius, donc 68 Fahrenheit pour la température de l'eau, je me mettais en bikini puis je m'en allais dans l'eau. On n'a pas atteint le 20 degrés Celsius, on est à 19,2 au bateau, mais peut-être qu'ici on est plus à 20. Donc, je me suis mis en bikini. Là, je m'en vais dans l'eau. On s'est déjà mis un peu les pieds dans l'eau parce qu'on est arrivé avec Cookie. Mais j'attendais juste que le soleil revienne, là. Il me sent bien. Tu t'arrêtes de perdre tes gougous. Il m'a trouvé tes gougous dans la voie. Bon, puis on y va. Pour vrai, là, c'est aussi chaud que le fleuve Saint-Laurent. On se croirait dans le fleuve Saint-Laurent. L'année passée, puis je vais me mettre dans ce dos. Là. Là, non, là, c'est froid. Ici. Là. Là. Ah oui, moi, je suis prêt. Oh, c'est beau. Oh. Oh, c'est froid. On ne le sait pas encore tout à fait, mais la protection qu'offre le Havre Colombier, la vue, l'isolement, la nature, font de cet endroit une découverte magnifique qui deviendra notre nouvelle destination préférée.